Et je voulais remercier tous les gens qui y viennent aujourd'hui, qui viendront demain, tous les gens qui sont arrivés hier soir, des convergences de toutes les luttes de France. Merci à la centaine d'associations et de collectifs de toutes les luttes de France d'être venus nous soutenir à Notre-Dame-des-Landes. À côté de Dominique, Jean-Baptiste, un copain, il le dit, hein, c'est le copain de tout le monde, notre Jean-Baptiste. Toi, t'es un copain parce que ici, on est un peu chez toi, du coup. Eh bien, du coup, oui, vous êtes sur une ferme qui a été récupérée par des paysans sur le dos d'AGO. Salut, Pascal de Rennes. Simon de Nantes. Aude de Nantes. Salut, Hugo de Nantes. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, on est tous ici, donc de Rennes, de Nantes ou de Bayonne d'ailleurs, ils ont un autre stand derrière, pour représenter le mouvement, si on peut appeler ça mouvement Alternativa, qui est né à Bayonne en 2013, qui a rassemblé plus de 10 000 personnes. Oh, il n'y en a pas un qu'un qui parle, c'est un truc collectif, hein. Qui prend la suite? Ce que je peux te dire, ce que je peux t'assurer, ça sera pas bitumé, quoi. C'est que ça sera pas du bitume. D'accord, bon. Et puis, j'espère qu'il y aura des nouveaux projets, et j'espère surtout une chose. C'est l'abrogation de la déclaration d'utilité publique. J'espère qu'il y aura un homme ou une femme qui aura des couilles pour arrêter ça. Pour abroger la déclaration d'utilité publique. Et on attend que ça, nous, ici. Aïe, chaud, 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 chaud. C'est demain aujourd'hui qu'il y a Joël. Bonjour, comment tu t'appelles? Marc Morisset. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, moi je suis toujours un peu partout pour essayer de parler du revenu de base. C'est quoi le revenu de base? Ah, qui ne connaît pas le revenu de base? Moi. C'est quoi? Oh, le menteur. Et là, tu es en train de faire un peu de provocation parce que je sais que tu es très, très au courant, tu vas en parler demain. Hein? Bon, d'accord. Bon, bah, François-Nicolas, je vais parler du revenu de base demain. Venez! Je m'en vais bien avant l'heure. Je m'en vais bien avant. À Notre-Dame-des-Landes, donc 120 km à pied en 5 jours. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, ben ça fait les pieds. Mais surtout, ce qui est riche, c'est les rencontres avec les gens sur notre route, discuter avec eux du projet qui ne se fera pas. C'est aussi l'accueil partout, que ce soit dans les fermes, que ce soit pour des petits goûters récréatifs, pour nous redonner des forces pour continuer. Dessus. Et alors on vous remercie, on est heureux de vous recevoir chez nous sur nos terres et qui sont aussi vos terres. On espère qu'à l'avenir, cette ZAD va devenir une réserve foncière et qu'on va développer une nouvelle agriculture. Ouais, et on compte sur vous, sur les paysans, on compte sur tout le monde. On fait...